Bienvenue sur la Basse Cameroun, votre source d'informations fiables et détaillées sur l'actualité sociopolitique au Cameroun et au-delà. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un décryptage complet sur les récents travaux parlementaires qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale le 13 novembre dernier. Une session cruciale qui donne déjà le ton pour une fin d'année intense, en prévision des enjeux électoraux de 2025. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses. La session de novembre à l'Assemblée nationale s'annonce d'une densité inégalée. Dès le deuxième jour de l'ouverture des travaux, l'agenda était déjà chargé, répondant aux attentes des députés qui avaient exprimé leur souhait d'une session active et riche en discussions constructives. Et ils ont été servis. Pas moins de 10 projets de loi ont été déposés sur leur table, promettant des débats passionnés et techniques. Cette abondance de textes, déposés au cours de la conférence des présidents sous la présidence de Djibril Kaveye Yeguié, le président de l'Assemblée nationale, couvre des thématiques variées allant de la fiscalité à la sécurité numérique, en passant par la santé traditionnelle et la gestion des catastrophes naturelles. Commençons par le projet de loi sur la fiscalité locale. Déposé par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaz, ce texte vise à réformer le cadre fiscal local, une mesure qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la décentralisation financière. En d'autres termes, il s'agit d'accroître l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre de mieux gérer leurs ressources et de financer des projets de développement local. Pour les citoyens camerounais, cette réforme pourrait signifier des changements notables dans la gestion des services publics de proximité, ainsi que de nouveaux défis pour l'administration fiscale locale. Ensuite, sur le plan médical, un projet de loi très attendu a été déposé pour encadrer la médecine traditionnelle. La nouvelle loi établira des règles claires pour l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Une avancée significative, surtout dans un pays où les pratiques de médecine traditionnelle jouent un rôle important dans le système de santé. Ce projet de loi pourrait potentiellement contribuer à la reconnaissance et à l'intégration formelle de ces pratiques, tout en assurant la protection des patients. Dans un contexte de digitalisation croissante, la protection des données à caractère personnel est devenue un enjeu stratégique. Le projet de loi sur ce sujet vise à renforcer la souveraineté numérique du Cameroun. Le gouvernement entend garantir que les données des Camerounais sont protégées contre les abus, tout en encourageant une meilleure régulation des entreprises technologiques. Cette mesure est cruciale pour la transformation structurelle de l'économie nationale, qui repose de plus en plus sur des infrastructures numériques robustes. Toujours dans le domaine de la sécurité, le projet de loi numéro 2069-PJL-AN régissant la protection civile se concentre sur la prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Avec les récents événements climatiques ayant causé des pertes humaines et matérielles, ce texte prévoit l'organisation de plans d'urgence et des systèmes de secours pour réagir efficacement en cas de catastrophe. Une nécessité absolue pour protéger la population et minimiser les dégâts. Les 6 autres projets de loi, bien que variés, sont tout aussi essentiels pour l'alignement des politiques nationales avec les engagements internationaux. 1. Projet de loi de règlement pour l'exercice 2023. Cette loi, portant sur la régularisation des comptes de l'État pour l'année 2023, est un point crucial pour évaluer l'exécution du budget et la gestion des finances publiques. 2. Organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil. Ce projet vise à renforcer le système d'état civil, un outil clé pour l'administration de la population et la planification des politiques publiques. 3. Ratification du traité de Beijing. Ce traité, adopté en 2012, protège les droits des artistes interprètes d'œuvres audiovisuelles, un aspect qui pourrait dynamiser l'industrie culturelle camerounaise. 4. Lutte contre le terrorisme international. La ratification de la Convention de l'Organisation de la Coopération Islamique pour combattre le terrorisme est un autre texte marquant, qui souligne l'engagement du Cameroun dans la lutte contre les menaces transnationales. 5. Aide à la navigation maritime. La convention créant l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime est essentielle pour la sécurité des voies maritimes camerounaises, un aspect vital pour le commerce international. 6. Adhésion à l'acte de Genève sur les indications géographiques. Cette adhésion vise à protéger les produits camerounais d'origine géographique spécifique, comme le poivre de Panja, une reconnaissance qui pourrait stimuler l'exportation de produits agricoles. Le président de l'Assemblée nationale, Djibril Kaveye Yeguié, a profité de cette session pour rappeler l'importance de 2025, une année électorale décisive.
Il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de garantir la sécurité et un climat apaisé pour le bon déroulement des élections. Cette intervention traduit les inquiétudes sur les tensions politiques et les risques de troubles en période électorale. Djibril Kaveyé-Yeguié a également évoqué la gestion des catastrophes naturelles. Face aux inondations et aux glissements de terrain qui affectent régulièrement le pays, il a exhorté les responsables à adopter une approche plus proactive et à collaborer efficacement pour prévenir ces catastrophes. Voilà un aperçu de ce qui vous attend dans cette session de novembre. Les enjeux sont énormes, et les députés auront fort à faire pour analyser et débattre ces textes qui touchent à des aspects critiques de la vie de la nation. Restez connectés à la base Cameroun pour suivre l'évolution de ces projets de loi et leurs impacts sur le quotidien des Camerounais. Merci d'avoir suivi cette analyse, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.